Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit Saint, viens dans nos cœurs nous illuminer pour porter ta parole à nos frères. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Si quelqu'un insulte son frère, il en répondra au grand conseil. Si quelqu'un maudit son frère, il sera passible de la gêne du feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande sur l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite viens présenter ton autel, ton offrande. Accorde-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la gêne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car c'est ton intérêt de perdre un de tes membres et que ton corps tout entier ne s'en aille pas dans la gêne. Il a été dit encore, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation, eh bien moi, je vous le dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère, et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous le dis, de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jugeras pas non plus sur ta tête parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Quand vous dites oui,
que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Rendu en ce sixième dimanche du temps ordinaire, année A, l'Évangile selon saint Matthieu place le Christ dans la plaine après les béatitudes, révélant sa loi nouvelle. La loi donnée aux anciens a été surchargée, mal interprétée, suivie comme une corvée, une obligation morale venant de l'extérieur, sans ancrage du cœur. On note trois interdits mosaïques. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, tu en répondras au tribunal. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne feras pas de faux serment. Par son enseignement, le Christ vient révéler le sens authentique, nouvelle et exigence de sa loi. Ceci à travers cette formule, « Eh bien, moi, je vous dis. » Pour le maître, il ne s'agit pas seulement de tuer de façon littérale, mais aussi cela intègre l'insulte, la colère. Sur le point de l'adultère, il ne s'agit pas tout simplement de poser l'acte, mais il rejoint le désir, la source de la pensée de l'homme. Pour le serment, il ne s'agit pas simplement de s'acquitter de la promesse envers Dieu, mais plus loin encore, avec Jésus, l'interdiction de le faire. La loi nouvelle apportée par le Christ ne saurait se réduire à une observance scrupuleuse de préceptes, l'accomplissement de rites, d'un décret extérieur à l'homme. Elle est exigeante et prend toute la personne dans sa globalité, corps, âme et esprit. En cela, Jésus complète, accomplit et prolonge la loi mosaïque. Bien qu'exigeante, la vraie loi de l'amour apportée par le Christ doit rejoindre tous les aspects de l'homme, du chrétien aujourd'hui. Ses actes, sa manière de vivre, de travailler, d'être, que sa grâce nous devance à l'accomplissement de cette loi exigeante qui est la loi de l'amour. Loué soit Jésus-Christ.